Salut, ça va? Pourquoi tu fais le... Oh. Catastrophique. Juste pour faire chier les gens. Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans le React en compagnie de Xabiers, aussi appelé Xavi, l'homme très certainement le plus drôle de France à l'heure actuelle. À ma gauche, qu'avons-nous de bien prêt et de bien velu ce soir, mon cher Xavi? Plusieurs choix s'offrent à nous. Non, c'est vrai, t'as préparé un menu, Maxi Best Of. Alors totale. En gros, j'ai préparé deux confessions intimes. Ça fait longtemps, confession intime, ça me manquait un petit peu. C'est 20 minutes, hein, c'est des petits. Bah, c'est pour ça, c'est, ça se grignote, voilà. Moi j'aime bien. Après, j'ai préparé, qu'est-ce que j'ai préparé donc? Il y a un. C'est mon choix, mais il y a aussi un vieux truc alors que j'avais déjà regardé il y a quelques temps, il y a, je dirais, allez, à vue d'œil, deux ans et demi peut-être. Deux ans! C'est. Je sais pas si tu connais, c'est. Comment ça s'appelle? Premier rendez-vous et plus si affinité. C'est quoi? C'est un truc IRL ou c'est une scripted reality? IRL. En gros, c'est le pitch, c'est des mecs qui se sont jamais rencontrés mais qui ont rempli des trucs en mode moi je suis grand, j'aime les femmes blondes, ouais, d'accord. Qui font du sport, machin. L'algorithme, bon, nique ta mère, enfin bref, ils ont mis deux mecs ensemble et ils se font un premier date au restaurant et c'est filmé. Et à la fin, ils se retrouvent et disent est-ce qu'on fait un autre date ou pas? Ça, c'est bon. C'est très très bon, ça m'a l'air. Très très bon. Ça m'a l'air cringeos, ça, un peu. C'est... Tu veux regarder ça? Bah, moi j'aimerais bien me dépuceler avec ça, ouais. Tu veux la tente? Je me dépupe. Tu veux la tenter? Bah, y'a aucun souci. Alors, c'est vrai que moi je l'ai déjà vu, y a quelques temps, y a très très longtemps, y a pas beaucoup d'épisodes de toute façon. Mais c'était un véritable banger. Nous sommes des millions à la recherche. C'est ça, de c'est ça. En plus, y a Yas encore, je crois, dans le. Il est en bas là, regarde. Ah oui! Ah, par contre, c'est vraiment lui. C'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il faisait de la boxe? Il fait de la boxe. Il fait de la boxe. Hop. Ça donne envie en tout cas. Je suis désolé, attends, il faut que ça donne envie d'en apprendre un peu plus sur ça. Ces, ça dure 50 minutes, donc c'est. Non, 42 minutes. C'est propre. Non, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, du coup, donc là, c'est tous les gens qui nous ont présenté ou c'est juste le générique? Ça, c'est le générique, donc okay, c'est des gens qui vont apparaître. Mais je crois que pour ce premier épisode, on va voir le mec en bas à droite. Ok, parfait. Qui est un vrai dungeon. Et après, on demandera aussi. Je crois qu'il n'y a pas Latifa ce soir, mais on demandera à Marie si elle est subjuguée. On n'a pas dit bonjour à Larry. Et à Rizzo, et du coup, c'est Erwan, je crois, non? Quoi? Ah non, c'est pas Erwan, c'est Pierre. N'importe quoi, c'est voilà. Thomas, t'es le mec à un compris. Salut à la régie, ça va? Comment ils vont la régie? Oui. Ouais. Oh là 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 là. Oh, voilà, quelle émotion. Un peu plus d'entrain là, s'il vous plaît. Ouais, oui. Voilà, c'est ça qu'on veut. En régie, des gens qui sont cuniculteurs parmi vous? Regarde, Marie, elle rigole. Oh, ah, c'est drôle ça. Cunibou. Ça cultive quoi déjà? Des lapins. Qu'est-ce que tu veux, gros? Les lapins. C'est ouvert à tout, hein. Mais plutôt bouffeur de lapins, ouais, à ce milieu, à ce niveau-là. Allez. Mon cher ami, on y va. Belle soirée qui s'annonce. Oh, le magicien! Tu peux le remettre? Parce que les gens ont pas vu. Regardez le magicien. Je cherche de l'amour. Ouah! Alors, par contre, à un moment, il y a des timings où je vais devoir arrêter parce qu'il y a certains épisodes où ils se baisent. N'importe quoi. Ah, j'ai cru que t'allais dire on voit un bout de Nibar ou un truc comme ça. Elle montre un ins. Mais on n'a pas. Ah oui, il y a un jeu. Alors moi, je me souviens plus trop. Donc il y a un jeu, évidemment, c'est quand ils arrivent, on doit voter. Est-ce qu'il pécho ou est-ce qu'il pécho pas, quoi. Ok. Parce que sinon, c'est nul. Mais toi, t'as déjà vu, donc. Il y a certaines personnes du chat qui ont déjà vu, mais je te dis, je l'ai vu il y a longtemps, donc il est possible. Enfin, normalement, voilà. Ça continue plus, ça s'existe. Non, bah non. Malheureusement, un grand regret. Le début du cerf à prendre, c'est Daniel. Oh, Dani! Oh, Dani! Oh, Dada! Dani X le hardi! Pourquoi je suis célibataire? Que peut-être il y a eu mauvaise communication avec les autres filles. Mauvaise com, évidemment. Alors, déjà, tenue pour un premier date. Bof, hein. Le blue jean. Le col relevé sur. Par contre, le col est cata, quoi. Regarde ça. En régie, on note combien? Moi, je mets 6 sur 10. Mon perso, je serais venu en jog. Hein. Moi, j'arrive comme ça, je suis déjà à mon prêt. Rizzo? C'est non. Toi qui as un baiser. Ah, Rizzo, non? Rizzo, bah si c'est pas du Yoko, je pense que Rizzo il valide pas. Hein. Non. De quoi? Si vas-y, grignote-moi cette merde. Non, le col à la Cantona, bof, hein. À la bof. Cantona, il a dit. Ouais, c'est vrai que c'est un col. Je leur pisse au cul. Marie, qui est subjuguée hein, par la personne. Non, mais le col à la Roberto dans Undo Stress non plus. Non. Ah, 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 chacun sa petite rêve. Ta rêve. Ça regardait Undo Stress, Marie. Oui, t'étais fan de qui? De.
Tu peux nous donner des noms, Marie? Je sais même plus. Je me C'était très caliente, Windows 13. Il y avait rapprochement, Ricky Martin et tout ça. Ouais, ça m'étonne pas d'elle. Windows 13. Windows 13. Ou non, c'était. Putain, ma femme a regardé un truc quand elle était plus jeune aussi, espagnol aussi, qui s'appelait Chimie ou je sais pas quoi, le Chimie, mon cul, là, Kimiko, machin. Physique et chimie. Physique et chimie. C'était physico-chimico. C'est un truc comme ça, le générique. À chier. Envie de crever. Catastrophique. Et toutes les gonzesses qui ont regardé ça, de toute façon. Dany. Oui, tout à fait. Daniel, non, on vous a pas. Dégagez. J'ai pas de Daniel. Une fille grande, brune, câline et à forte poitrine. Oh, oh Dany. Oh, les seins, les seins. Il est comme toi, Xavier. J'ai l'impression qu'il aime les gros seins. Impatient. Un peu. Est-ce que vous pouvez me proposer? Je vais vous faire l'endiablé. Peut-être, peut-être que ça vous correspond. Peut-être. Oh, un petit endiable. C'est suspense. Et voilà. Oh, c'est quoi, cocktail? Ça? Non, toi, tu prendrais quoi? Moi, je prendrais un sexe en deux pics. Si je devais être un cocktail. Dans la plage. Je crois que les... Enfin, je veux pas faire de généralité, mais je crois que les femmes aiment pas mal le spritz en ce moment. Spritz and sex on the beach. Ou bon, après, moi j'adore les mojitos. Ouais, qu'on entend pas très fort, hein. Je sais pas si on ouais, on peut nous monter un petit peu en rage. Débat parallèle. Je puisse être la muse. La nana. Non, non, pas de débat parallèle. Ah, c'est un peu fort là. Mec, ils sont dans la vie en régie. On n'entend pas de fort, bam. On est au cinéma. Ouais, s'il y a un entre-deux, genre, ça. C'est, on le prend. Vraiment, ce serait. Voilà, je n'entends plus. On s'entend plus parler. Hein. Je crois que, honnêtement, la femme de Gérard qui est à Montargis entend le programme. Oui, vraiment, elle participe à l'émission. Hein. Hasardeux, la poste. Ah, c'est gros, c'est trop dur. Bah, ouais, des, évidemment. La première édition, mais alors devant toutes les caméras. Elle a du charme, elle a du charme, Sandrine. Oh là là, oh, Dany. Oh, 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 Dany. Attendez, mais il a déjà commandé le plat parce qu'il est prêt à grailler ce soir. Oh la vache. Moi, j'ai déjà vu, enfin ça, c'est, je connais quoi. Hein. Ah bah moi aussi. Un regard qui en dit long. Oui, bah, je pense pas que les autres choses. Chaque œil se met à hurler. Ils insinuent là le man. Hein. Oh le hurling. Oh bah alors. Ah bah alors ils ont. Ah bah alors ils ont. Hein? Arrêtez de me name drop comme ça. Y a rien, bah, désolé Rizzo. Excuse-moi, tu préfères peut-être Pierre. C'est un baiser. Alors que ça se régale en régie, nous on n'a pas le droit de bouffer, rigole, mais là ouais. Ça mange très bien. Boum, ouais, remets ton masque, ouais. Bon appétit. Bon appétit. Oh oui, bon appétit. Et ça. Voilà. J'ai la rêve du bon appétit, Rizzo, et tu es un petit coquin. Un coquine. Allez, oui. Wow, les mangas, allez. on y va. Toi, tu prends quoi? Premier rendez-vous au resto, tu prends quoi? À manger? Comme plat, ouais. Ah, moi, je m'assume. Ouais. Aïe. Donc c'est, oh, bah gros, c'est directement un beefsteak sa mère. Une entrecôte de 6 kilos. Les ribs pour en foutre partout sur les doigts. Ouais, et après la faire lécher, c'est toujours compris. Tiens, attends, son charme. Petite sauce au poivre. Gaffe. Ils montrent que les moments, ils font la compil des moments où ils se parlent pas en fait. Attends, t'inquiète, ça va arriver, c'est juste au début. Coquine. Je me rappelle premier maintenant. Premier rendez-vous, il a regardé, il fait coquine. Non, mais on est où là? On est dans un sketch des inconnus ou quoi? C'est vrai que tu attends, mes frères, ça me rappelle. J'ai des bribes qui me reviennent, c'est vrai que c'est vraiment un dingue. Attends, mais ça vient de commencer, le mec qui lui dit, elle a rien dit. Quoi, salope. Non, non. Non, mais on a non. Toi. Non, oui, coquine. Tu sais très bien ce que ça veut dire, coquine. Ça dépend. Arrête. Ça dépend si tu dis ça. Enfin bref. Allez. On sait ce qu'il dit. Hein. Il est fou, Dany. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs mecs en même temps. Ah, ça c'est le pas mal. Le prochain, chercher l'amour, est un cœur tendre plein d'espoir. Le magicien. Beau gosse. En vrai. Ouais, mais lui, il est friendzone direct, je te le dis. Je m'appelle Quentin. Non. Ah non, mais ça se voit. Il est trop gentil. Et je fais ma magie à mon niveau. Ah ouais, non. Dommage. T'es un peu stressé là. Oh, est-ce le point. Tu peux craquer chez une fille, c'est des petites choses subtiles, c'est par exemple une dent cassée ou une petite fossette. Moi, je vois vraiment que le visage. Ouais. Que j'aime bien qu'elle est. Ça marche. Dent cassé quoi. Le coup de la veste c'est pas mal parce que quand t'as des grosses auréoles sa mère. Mais surtout en vrai il est BG de fou. Hein. Ça va. Ouais hein, il est BG dans le chat hein, je pense. Qui c'est qui va arriver? J'espère qu'il va se faire régaler. Une pirate avec une jambe en moins. Barbe bleue. Barbe bleue. J'adore. T'as vu le maître d'hôtel, il fait genre il y a une scène alors c'est très bien. Bonjour. Ça va et vous? Oh il la regarde. Oh là là. Quoi qu'il est ? Oh, le regard vide, il est aveugle. Il a pris un stun, arrow de hache. Oh, mamma, Lori. Quentin. Tarantino. Regardez-le. Oh, il fait... Oh, mais il stresse de fou. Très jolie fille. Juste ici. Ça va. Envie de dégueuler. Oh là là, et le cœur qui va à 200. La chamade, comme on dit. Salut.
Ça, ça arrive quand tu es amoureux. Oh, le coup de foudre. Enchanté. J'ai quel mois? Juillet. De quel jour? De quelle heure? Le mec fait progressif quoi. De quelle heure? D'accord. Tu t'appelles comment? Juste la première lettre. Tu faisais combien de kilos à naissance? Attends, mais dis pas Marie-Marise peut-être. Non, la dernière fois qu'on m'a demandé ça, c'était pour faire mon thème astral. Je crois trop en l'astrologie. Et à la fin, du coup, elle devait trouver mon date de naissance. Pas trouvé. Ah ouais? Genre sur les 30 jours, vraiment, je pense qu'on en a fait 27. 28 avant qu'il trouve le 28 et c'était en février, donc. Mais voilà, ça se voit qu'il est stressé, le pauvre, par contre. Lui. Non, je crois pas. Hein. Non, ça se voit pas. Alors lui, si tu lui mets une olive dans le cul, il en fait de lui. Je pense que là, il a perdu déjà 2 kilos. J'espère pour lui qu'il a son prime. Voilà. Parce que là, on n'a pas dit couple ou pas couple, on est censé dire quand. On dit couple et pas couple. Moi, je pense que deux, ils repartent ensemble. Ok. J'annonce. Moi, je crois que je m'en souviens, donc je vais rien dire. Ok, dis rien. Mais du coup, j'ai envie qu'ils repartent. On le fait. En fait, une fois qu'il y a tous les participants. D'accord, on le fera après. D'accord. Okay. On vote après. Ça commence. Ça colle bien. Ça colle bien. Non mais le mal. Bah alors, ça bête. Ça bête. Accompagner votre tablette. Monsieur, faut sortir. Il faut partir. Mais regarde, il a tout. Il a tout compris. Il a tout pour lui. Trop mignon. Ouais, grave, mais c'est génial. J'en ai la chair de poule. Les abuseurs! Oh là là, j'en ai une demi-molle. La prod qui sont en mode fais-toi un peu. J'en mets ma main à couper, je suis sûr. Que ça va matcher. Et depuis, Jamel Debbouze. En sera-t-il de même pour Sandrine et Daniel? Alors, eux, tu penses oui ou non? Vas-y, on peut dire sur Sandrine et Daniel. Sandrine et Daniel, alors. Eux deux là. Petite pause rapide. Je sais pas, en fait, j'ai pas assez d'infos. Moi, il a dit coquine et moi, j'ai besoin de savoir si elle est vraiment coquine. Non mais c'est vrai, au fil de la conversation. Non mais sérieusement, au fil de la conversation, c'est quoi détendu, on fait un vote et juste avant qu'il y ait le vrai truc, le reveal, on peut changer. On peut changer. On peut dire je me suis trompé. Du coup, on prend que la moitié des gains. C'est très dur, tu vois. Il y a pas eu de fil. Moi, je dis oui, mais je me souviens plus du tout de. Moi, franchement, je vais dire non parce que par pur respect, la coquine va faire tout le voilà. La coquine va faire. Attention, tout, hein, avoir du respect. On vote juste pour le deuxième rendez-vous. Oui. S'ils se disent oui à la fin, mais souvent. Ah oui, après, et après, il se revient. Après, c'est bon, on est passé à la télé, j'ai autre chose à foutre. Ouais, je dirais non. Un saumon pour vous? Un saumon pour moi aussi. Encore par hasard. Tiens, Dani. Là, s'il vous plaît, je reste sur le poisson. Moi aussi, je reste sur le poisson. Oh, c'est dingue. Quelle coïncidence. Perroquet! Je remercie. Quelle coïncidence. Tu vas aller au supermarché, elle va demander des lingettes, il va faire, bah moi aussi. Je vais prendre une boîte de tampons, moi aussi. Non, ça c'est une bonne destination. Enfin, si tu veux marcher et tout, c'est. Ah, le baiser! Il me dégoûte! Pas trop? Non. Sinon, tu sors un peu avec tes copains? Pas tellement. Ouais, t'es intéressant. Aller boire un verre. Oh là là. Non mais frérot, bah c'est non, ouais. Je change mon vote. Moi je dis non tous les jours. Le man, on dirait qu'il sort du PMU, frère, il rend ouf. Il est catastrophique. Il est cata. Tu fais des choses intéressantes. Non, honnêtement, non. Mais tu t'amuses, tu dis oui à la vie, tu danses la vie. Oh, pff, non, moi tu sais, à part la FDJ. Moi je joue au bingo. Hein. Mais trop de cette émission où tu trolls. Tu fais des choses, honnêtement, Rengar 14-2. Hein. Genre. Ça me... Tu sais qu'on va y arriver à ce tournant là. Ouais, ouais. Forcément avec notre génération, quand il y aura ces émissions avec le mec en mode. Ouais, mais bon, j'ai quand même un paladin vindicte. Niveau 63, quoi. Enfin. Moi, c'est pas Lolo, je mène jet. Hein, J'ai des priorités, quoi. Putain, tu penses pas que l'opérateur, c'est trop fort, gros. Sortir. Ouais. Plutôt Tilted Tower ou. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pas marché avec ta dernière. Oh, t'es curieuse, quoi. Bah ouais. Je suis née, c'est la conversation. Puis regarde ailleurs. Il faut faire rêver, hein, une femme, ça vient de. Moi, je fais pas rêver des femmes. Non, mais vas-y, mais. Bah, honnêtement, il a parié contre lui. Là. Il a ses débuts, c'est contre. Non, mais attends, non. Après, peut-être qu'on n'a pas toutes les infos. Peut-être que le mec, il est arrivé au casting et il s'est dit, ah, c'est ici, c'est juste de la baisse, quoi. Ils sont trompés. Là, tu vois, il est arrivé, le man, et il pensait que c'était un casting, le casting couch. Et en fait, c'était pas le bon. Et du coup, il se dit, mais pourquoi il me parle de mes ex? Non, mais ça se trouve, la bouffe. Juste pour le saumon gratuit. Peut-être qu'il voulait juste faire un repas. Le mec commence limite à s'énerver. Attends. Oh je t'en pose des questions, moi. Oh merde, elle est. M'a bouffé, là, oh. Non, elle est où, là, celle-ci? Ma purée maison. J'ai cassé le moral, là. Vas-y, tu me rappelles plus de ton prénom. Sandrine. Excuse-moi. Oui ou non? Ça va, je suis assez grand. J'ai l'impression. Il se parle bien, en tout cas. Moi, je pense qu'il va se faire friendzone. À la tienne. Attends, arrête de dire ça. Je suis dégoûté, frère. J'ai l'impression qu'il y a une petite étincelle dans les yeux.
ce sera mon super pote. Prochain célibataire, c'est Mehdi. Il a 27 ans, il débarque tout droit de Marseille. Oh là là, Mehdi. Je suis un challenger en fait, j'essaie de dépasser mes limites. Non, par contre, tu mets des patates. Je ne suis pas un coureur de jupons, mais j'aime bien les femmes. J'aime bien baiser. Ah oh oui, d'accord. Je ne suis pas raciste, mais. Je ne suis pas un coureur de jupons. De toute façon, if votre phrase commence par nanan, je ne suis pas, mais. Alors, on peut pas vous prendre au sérieux. Alors, vous êtes. Alors, vous êtes. Je suis pas un coureur de jupons, mais. Je suis pas un coureur de jupons, mais j'adore baiser tout ce qui bouge. Je crois que les noms de mes meufs, c'est les jours de la semaine, quoi. Donc, là, j'ai rendez-vous avec jeudi, là. C'est genre. Quel enfer. Oh, il me termine. Dans ton idéal, cette demoiselle. Oui, ma gâte. Pas plus grande que moi, déjà. Athlétique. Athlétique, ça veut dire pas grosse. Hein. Je vous fais un travail. Ouais, ouais, bah oui. Athlétique, bah. Grossophobe. Athlétique, bah. Et là, Mimi Mathy arrive, il hurle. Bah, il est pas plus grand que moi. Athlétique. Mimi Mathy. Mélodie Costa. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant. Si avec moi. Ouah, ouah, je ne suis pas. Ouah, ouah. Avec ou sans tâche. Ok. Oh, hello. Je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans. Je suis bourré. Marche sur le côté déjà. T'es mal. Je suis mort comme un coin. Oh, putain de merde. Attends. Oh, putain de merde. C'est un bon putain de merde ou un mauvais putain de merde? Non, 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 c'est genre en mode. Genre il a une demi-molle. Oh, bah, je pense qu'il a le chi, il a la flamme. il a le chibre. Le chibre en feu. C'est Win. Non, mais bah, attendez, c'est pas parce que lui c'est Win. Je pense que n'importe quelle femme vivante rentrait, il est en mode putain de merde. N'importe quoi. Ce soir. Ouais, ouais, allez, en fait, peut-être qu'elle est dans ses standards. Oui. Oula, oula, c'est en Bretagne. Moi, j'ai une technique là pour les boucles d'oreilles. Le diamètre total de la boucle d'oreille ne doit pas être plus grand que l'écart avec yeux-bouche. Yeux-bouche. Voilà frère, c'est beaucoup trop gros là. Après, peut-être qu'elle travaille pour Zavata, on sait pas, tu vois. C'est... Peut-être qu'elle dresse des animaux, on n'en sait rien. Peut-être que des dauphins, on sait pas. Non, mais on n'en sait rien. Non, mais après, je peux comprendre. Le mec, bon, c'est un charo, mais j'avoue que si t'habites à Marseille et que ta meuf, elle est à Paris... Ah oui, non, mais déjà, bien, évidemment. Le premier pied... Même avec un abonnement SNCF, ça fait charos. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est gratuit avec l'abonnement. Enfin, ah oui. Sauf que tu n'as pas tous les trains. Non, mais c'est surtout, c'est chiant. C'est juste chiant. Gros. Mais bon, après lui, il est en mode. Bon, bah. Après, il est en mode, je me serais pas retourné. De toute façon, le plan A, c'était de baiser, le plan B, c'était de baiser, je crois, pour lui. Donc, Ah, lui, oui, vraiment. Merci. Ah, là, tu vas déguster. Oh, ce qu'il lui met. Oh, toi, tu vas déguster, toi. Oh, les petites pommes grenailles. Toi, tu vas voir, toi. Où en sont Sandrine et Daniel? Bah, oui, justement, Dany. Bourré. Quatrième coupe. Ah, bah, en même temps, il fait pas rêver, le man, hein. Oh, mais au-delà de ça, qui fait rêver avec des pattes d'abord. Non, c'est pas le truc de Daniel de faire rêver les femmes. Bon, de faire rêver tout court. De faire rêver hein. Tout court, ouais. Daniel, c'est pas son truc. Mais Daniel, c'est pas ce qu'il fait là. Marre. C'est une tristesse sans nom. Attends, parce que là, il va appeler son meilleur pote. Qu'est-ce qu'il veut? Il va se branler. Coucou, ma petite Isa, bon pour neuf. Pour une autre fois. Waouh, elle a détruit. En même temps, il l'a pas détruit. Il a... Non, elle abuse de fou, il est beau, gosse. Et là, j'ai 4 as. Oh! Il va les faire remonter? Tu bouges pas, on va prendre le prochain as. Un as mort encore. Je vais le poser. Mais le tour de magie est trop facile, elle le regarde que lui. Bon, bah là, je vais te mettre des cartes dans la bouche. Enfin, dans le. Ah, pardon! Pardon. Il fait de la misdirection, il est très très bon, ce magicien. Il a 2 as morts. En fait, c'est moi qui ai récupéré tes as. Oh non! Non, on rentre. Il est trop fort, c'est un mentaliste. Non, je vais compris. Moi, je te dis. Bah, on va t'expliquer facilement. Il t'a donné les as rouges. T'arrives à comprendre ou pas? Ça, c'est ouf. C'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Bon, c'est une question de couleur, quoi. Mais tu l'as déjà fait devant des filles, quoi? Ouais. Oh, elle est jalouse. Tu l'as déjà fait, ce petit tour devant les filles? Ouais, bah, je l'ai fait. Regarde, hop. Pas la première. Oula. Hop. Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Tour de magie. Allez, regarde un petit peu tout ça. Hop là. Non. Oh, le bâtard. What a magician. Le magician. Moi, quand je suis célibataire, t'es full van en tout cas. Je suis sur le terrain. Quand je suis en couple, je suis raisonnable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, c'est eux, c'est mort. Ah, mais je bluffe. Alors, le fard à paupières, la nuit noire, c'est trop. Marseillais, ça tombe dans du charbon, quoi. Non, mais gros, c'est un masque. Je le retire en arrivant chez elle. Il y a un petit cliché quand même. De toute façon, on avait déjà un cliché pouffé sur les Marseillais, qu'on est des tchatcheurs et tout le reste. En même temps, tu ne donnes pas trop tort. Enfin, désolé, hein. Désolé, mais tu es le cliché. C'est clair. Oh, le. J'ai le missile. Et quelques petites années. La vache.
Claire vit sur la Côte d'Azur. C'est pas parallèle. Pas en Louboutin. Il n'a pas eu de mal à trouver. Non, pas du tout. Oh, tant mieux. Si vous voulez bien me suivre. Mais attends, il apprend pour une débile ou quoi? C'est une vieille, c'est pas une. Comment débile, tu t'appelles ou pas? Comment serait ce prince charmant que vous attendez? Vivant. Vous avez un vous. Idéal peut-être? Plutôt au niveau du cortex cérébral. D'accord. Oh, c'est très bien. Oh là là. Oh, Columbo. Oh, c'est Columbo, frère. Adam Dallon. Connaissez ma femme? Oh, Jacques, il régale, Jacques. 70 ans, on peut vouloir chercher encore quelqu'un d'autre. Dis le mot, Jacques. Dis le mot. The B word. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jacques. Claire. C'est terminé. C'est terminé. Bonjour. Je m'appelle Jacques. Ouais, bonjour. Oh le slash II. Il s'en bat les couilles, Jacques. C'est très grave. Connaissez ma femme au Colombo, là il est en enquête. Oh non, pas de bise. Ouais, monsieur. C'est quoi qu'il dit à chaque fois? Il me dit monsieur, je crois. Ouais, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Vous, non. Vous habitez en région parisienne? Parlez-vous de la guerre, je sais pas. À Cannes. Oh oui, elle est riche. Prends-la. Elle est riche. En vrai, par contre, c'est ultra dur. Un premier date, parce que souvent les premiers dates, t'as quand même un peu parlé, non, avant? Moi, j'ai jamais fait de date comme ça. Donc. De blind date? De blind date? Non, mais date en mode. Direct. Parce que là, ils se sont jamais vus, donc c'est ultra dur. Bah, tu fais connaissance. T'as déjà rencontré des gens pour la première fois? Sans forcément être un date. Comment tu fais la première fois que tu rencontres quelqu'un? Bah, c'est que tu as toujours deux occasions, il y a un sujet de départ. C'est genre soit en soirée. T'arrives en soirée, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu parles, tu fais ouais, tu fais quoi, tu connais-t-il, ça, boum, bam. Oui, mais c'est. Là, t'arrives, tu fais ouais, t'es en soirée. Comment t'as connu l'émission et pourquoi tu fais ça et. Tu suis. Tu vois, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Ouais, ouais, mais... Après, faut être sociable. Attends, je vais mettre comme ça parce que là, c'est catastrophique. Ouais, on sait pas pourquoi ça fait ça comme ça. Quoi? Attends, on se fout de ma gueule là en régie? Non, on disait que c'est vrai que toi en même temps tu parles aux gens qu'après les avoir vus 5 fois donc. Bah, c'est un peu ton souci. Bah, j'ai l'impression que ça c'est drôle là. Toi que j'ai appuyé là où ça fait mal, mais bon. Bah, je crois que Marie, la première fois que je lui ai parlé, c'était il y a 2 semaines, je crois. Oui. On se connaissait depuis genre 2 ans. Non, mais c'est pas vrai. Ça dépend du contexte. Bah, explique-nous le contexte. Bah, non, mais. Il y a... Ça dépend. Nous, ça faisait quand même 6 mois qu'on se parlait par Internet. On a fait le premier pas quand on s'est rencontrés la première fois. Déjà, online. Ouais, mais là, il y a le online, mais sans le online. T'arrives en Grèce. En plus, toi, t'es genre beau gosse, petit truc là, Reyes et tout. Tac. T'es en Grèce et là, tu connais pas des gens. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas leur parler ou tu restes dans ton coin? Je vais pas trop leur parler. Bah voilà, donc ne rentre même pas dans le débat. Non, mais attends. Ça arrive. Je vais pas trop leur parler parce que. J'ai une aura et donc du coup. Ah oui, c'est vrai, putain, ringard quoi. Non, pas du tout. J'ai oublié. Non, après, toi, le truc, c'est que t'es. En fait, moi, toi, t'es une vedette aussi, c'est le problème. Je suis très timide en vrai. Donc je ne vais pas aller chez. Oh, t'es timide. Oui, je suis timide. Non. Ça, on dirait pas. Non, mais. Après, moi aussi, je suis timide gros. Donc, je vais jamais aller vers quelqu'un que je connais pas. Comme ça. Non, mais. Par contre, si. T'es dans un groupe. Arrête, tu t'adaptes vite à un groupe. Un groupe. Si t'es déjà, si t'es dans une soirée, t'arrives pas dans une soirée où tu connais son père, frère. Mais justement, c'est ce que je dis. Si il y a un mec qui est avec d'autres mecs, ou enfin, on parle de mecs, mais ou de meufs, ou Osef, mais si il y a une personne que je connais qui est avec d'autres personnes que je connais pas, là, je peux y aller. Mais voilà, oui. Mais si il y a, je sais pas. Bah, c'est un groupe de 18 personnes, t'en connais pas une, évidemment. Non, mais même s'il y a deux personnes ou même une personne que je vois. Et qui est entourée de 4 personnes que tu connais pas, bah, tu peux aller parler à la personne, machin. Bonsoir, oui, boum, et après, let's go, ça embraye, quoi. Ouais, mais ça, gros, enfin. Je sais pas. Moi, j'ai pas eu beaucoup ce genre de technique. Soirée où je connais personne. Ah, d'accord. Non, mais en vrai, oui, je sais. Les soirées, c'est plus. Je connais. S'il y a 20 personnes, j'en connais 18 et il y en a 2 qu'on connaît pas, et donc du coup. Voilà, on va un peu checker et tout parce que c'est la pote de machin. Ouais. Mais j'arrive rarement dans une soirée où c'est un mec que je connais qui m'a invité et tout le reste je connais pas, tu vois. Ouais. Après, t'es fort, toi. T'es fort, t'arrives en soirée et il y a, je sais pas, il y a des gens que tu connais. Mm-hmm. Et s'il y a la moitié que tu connais, la moitié que tu connais pas, on est autour d'une table, tu vas faire des petites vannes, des petits trucs, tu vas pouvoir attaquer ta proie. T'es très bon pour ça. Bah, t'es un chasseur, c'est un peu le bout. Bah, après, c'est pas pour rien, on t'appelle le. Le bounty hunter. C'est le tueur. En non, vrai, mais j'ai... sur ça, c'est plus facile parce que t'es un mec drôle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, c'est ton arme. Justement, ça marche pas ça. Comment ça? C'est faux. Le mec qui fait rire, c'est le clown, mais. Pardon?
Il va pas. Enfin, tu vois, c'est le mec qui c'est la première partie du spectacle, quoi. Ah ouais. Oui, oui. Enfin, moi, ça, j'ai jamais réussi à pécho parce que j'ai fait rire une meuf. Hein. Oh, arrête. Bah, c'est pas en première intention en tout cas. Bon, en première intention, si. Bon, ah, il y a rideau, plus encore, plus applaudissements du public. Je peux te dire que on me l'a fait pas, moi, Xavier. Hop, hop, hop. Le loup de Wall Street, là. Allez. On a duré combien de temps? Une heure. 3 ans. Mais wesh! Oh! Passé le cap des 3. Non, mais lui, au-delà de ça, on dirait qu'il se fait chier, quoi. Oui, bah c'est ça. 15 ans? Ah ouais? 15 ans? Ouais, oui, c'est ce qu'elle a dit. 15, 1, 1 et 1, 5 à coller, quoi. 15 ans? Putain, chapeau. Chapeau. Chapeau, bah, j'avoue. Donc, elle a dit qu'elle avait reçu un examen, quoi. T'es très robe. Ah, moi, j'adore les robes. Robe de soirée, tes talons, toi. Ouais. Oh, c'est sympa, catastrophe. Les amis, nos amis, nos homologues masculins, prenez pas exemple sur cette personne. Non. Parce que nous, on n'est pas des exemples, mais alors lui, t'es très robe, toi. T'es très. Pas des exemples. Oh. Bah non, ouais, je vais sur mes 7 ans de mariage. Oui, mais on parle en drague là. Une traite de merde. Non, je suis pas un exemple non plus, mais quand même. Et en fait, t'es très cul, toi. Vraiment, ils s'en foutent, quoi. Eh bien, t'es anulingus. Cuniculteur, un peu. Cuniculteur. Non, mais voilà, enfin. Nul, hein. Là, j'espère que vous vous rendez compte que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. J'adore, franchement. Il y a des tas de femmes qui seraient ravies d'avoir un Daniel à leur côté. Oh, bah oui, bah ils respirent la joie de vivre, hein, donc. Heureuse et comblée par ce genre c'est de. C'est 100% sûr qu'il n'y a pas de suite. Moi, pas. On connaît pas. Les figures. Les figures. On va chier. Ils font quoi aux toilettes, là? Ah, c'est pour la petite entraque pour qu'ils puissent appeler leurs potes. Ah. C'est horrible. Attends. Allô, ça va? Je pleure de rire presque. Qu'est-ce qu'elle est pas bien ou quoi? Mais c'est un truc de fou, c'est. Oh non, non, non. Oh non. Le traquenard, depuis le début. Tu vas casser ton crâne là? Oui. Elle va dire putain, quelle merde. Bah, j'ai l'impression en tout cas. Non, non, non. Elle se fout. Tu peux plus croire en l'amour après ça, hein. Se fout de sa gueule. Je t'en supplie que ce soit pas ça, Xavi, mets-le, mais je. C'est mon clone. J'ai l'impression d'avoir mon double en homme. C'est. Même quand tu parles, j'ai l'impression d'entendre parler. Bizarre l'ambiance là, par contre. N'en faites pas trop, hein, s'il vous plaît. Ouais, parce que c'est un peu bizarre. Je baise avec mon clone. Merci. Ça tourne mal. J'aimerais revoir Quentin. Oh. Ouais, j'aimerais bien revoir Quentin. Let's go. C'est réciproque. Let's go! Let's go! Let's go! Quoi si? J'ai acheté la dernière Porsche Boxster. C'est vraiment un petit bolide de course. Et j'ai acheté une Porsche. Ah, le troll en vrai. Bah non, elle est. Je pense qu'elle le teste. Elle le teste pas. Elle est richissime. Elle est richissime. Ouais, j'ai un acheté. J'ai acheté une Porsche là. Ouais, c'est un petit bolide. Hein. J'ai acheté le dernier astéroïde, la Mars. Tu connais? Je viens d'acheter une villa à Monaco. Et toi, tu fais quoi sur le rocher, ouais. Tu connais Charles Leclerc? Ouais, bah, j'ai acheté sa voiture là. Oui, mais attends, j'espère qu'elle est, elle est porte ouverte, quoi. Parce que si lui dit, je sais pas, moi, et moi je suis magasinier. Enfin, bah, non, bon, à 70 ans, il y a la retraite, je pense, mais. Et moment, ouais, là, j'ai directement acheté le. La Clio. J'ai directement acheté la dernière télé Philips, là. Elle va exploser, non? Elle est en flex. Je pense que ce qui plaît chez les femmes, c'est mon côté animal, homme viril. Graou, moi. Tu penses gros, Marie, peut-être animal. Ouais. Elle est Marie, subjuguée. Marie, t'es attirée par l'animal, là? La bestiole, la bête à poil, Jean-Pascal? Non. Quoi? Mais pourquoi? Oh, arrête, Marie, et personne arrête. Ne dit ça, surtout pour un premier date, quoi. Pardon, bah attends, t'es pas en train d'hurler dans ta tête, là, Marie? Tu hurles? Et t'as deux doigts de tout arracher, là? Genre. Si Mehdi, attends, je veux. Si Mehdi arrive là, tu te. Enfin... T'arraches les accoudoirs, non? Fais gaffe, hein, disons. Oh, mais franchement, t'as de jolis cils. Merci. Sale connard, jolis cils, je vais péter un plomb. C'est parce qu'un regard comme ça, il inspire l'avenir. Ouais. Mais tu sais que ça, attends, mais pause, parce que moi, je suis en train d'hurler là, mentalement. Mais je suis indigne. Mais, non, mais oui, moi, je suis en train d'hurler, mais. Il y a des filles sur qui ça fonctionne, ça. Parce que là, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas encore, mais. Non, mais arrête et tout, arrête, mais peut-être dans sa tête, là, en mode, bâtard et tout, il me met trop bien et tout, tu sais pas. Franchement, quand tu me regardes comme ça, enfin. Gros. C'est des regards d'avenir que je vois, il veut juste la ken. Hein. Mais bien sûr que oui, mais on a tous le cliché classique des, quand t'es au lycée, quand t'étais au collège et tout ça, où t'avais des meufs qui étaient toujours avec des gars, c'était des giga connards, là, genre les bases. Ouais, mais. Tu les préviens une fois, deux fois, trois fois, elles sont baisées 143 fois. Elles sont. Ouais, mais je sais pas. Toujours maquées avec des connards.
Elles adorent les bad boys. Même connerie que ça. Les gars, ils leur disent non, mais putain, mais t'es regard. Bad boy. Chacun est. En plus, par contre, c'est... on a l'impression que c'est écrit sur la gueule des gens qui vont juste se maquer avec des gens comme ça. Bah là, c'est du cliché, c'est du pur cliché, frère. Là, c'est deux clichés ensemble. Hein. Enfin, elle a l'air un peu moins conne que son apparence. Ah. Son apparence ? Le pourrait le laisser le deviner. Donc, si une meuf est blonde, elle est conne, quoi. Bon, ah non, j'ai jamais dit ça, moi. Non mais c'est quoi, c'est parce qu'elle fait bimbo quoi. Ouais, elle fait pas mal bimbo, elle fait vraiment comment tu avais dit là, l'autre là, Marina passe et tu t'inclines quoi. Oui, ça par contre, oui. Très passe. Ah non, je cherche une phrase en espagnol. Arrête, j'aime l'espagnol. Arrête, il prend des douches. Non, attends, tu abuses, je rêve ou tu aimes l'espagnol? Arrête! Mais attends, tu sais que nous à Marseille, on adore ça! Ah putain, tu sais qu'il y a 2% des personnes dans le monde qui aiment l'espagnol, hein! Oh la vache! Arrête! Arrête! T'as deux pieds! Oh putain! Je craque! Je pensais que ça allait dire que Dieu te garde, mon ange. Ma beauté! C'est mignon ça comme phrase! Bon? Ah pour de bon! Mignon ça comme phrase! Oh! Comment ça peut marcher? Oh là là, j'ai envie de crever. T'aimes bien l'espagnol? Non. Oh, ma beauté! Ma beauté! Mais c'est mignon, c'est comme phrase. Allô, Ken? Ouais. Je savais pas trop ce qu'on allait faire. Coquine. Mais le pire, c'est qu'il croit qu'il a dead ça, ce chien. Il croit vraiment qu'il a dead ça, hein, le man. Il est taré, ce mec. Il est en mode, je l'ai charmé. T'sais. Le mec est un ouf. Et oh, il dit ça, il a la main, t'sais, la main sur la langue. Hein. Coquille. Il croit vraiment qu'il l'a charmé. Dans sa tête, mais par contre, il va tomber de très très haut. Ah bah, lui, il faut au moins un 72e étage. Quoi. Very, very high. Horrible. Enfin, je suis désolé, hein, je connais pas ce mec-là. Je vais pas lui manquer de respect, mais tu es immonde. Fais-moi le pack. Vite ta mère qu'il a dit ça. Oh, le on fait mouette mouette. Qu'on fait mouette mouette. Et là, le combo, ça aurait été quoi? Il paye avec des tickets resto et je pète mon crâne, gros. C'est pour boire de la serveuse. Quoi? Prends le pourboire de la serveuse, je chante. Attends. Et voilà, et ben le pourboire, il a pas laissé non plus. Impossible, c'est impossible, c'est scripté, gros. Non, c'est un acteur. C'est un acteur payé, comme à l'époque Laurent Ournac, mon incroyable fiancé. C'est lui, c'est pour l'incroyable fils de pute. C'est du jamais vu dans l'histoire. Je n'y crois pas. Hey. Coquine, va. J'y crois pas, gros. J'y crois pas. Coquine. J'y crois pas. Qui est une coquine, là, dans le chat? Quel enfer. Je souhaite avoir un deuxième rendez-vous, si elle le souhaite bien, surtout. Attention, on the chute, the fall. Si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. C'est maintenant. Je pense pas qu'on aura un deuxième rendez-vous ensemble. Très bien. Très bien. Coquine. Lui, il n'y avait rien calé de A à Z. Alors voilà, bah, en vrai, on vous avait un exemple de ce qu'il faut pas faire. Rien. Rien de ce qu'il a fait, Nanana. Mais là, excuse-moi, Xavier, de te reprendre ici, c'est du bon sens. Là, honnêtement. Ludo. Non. Les gens ne sont pas. Parce que lui, il croit qu'il a d'être ça, tu vois, le chacal. Mais, non, mais mec, c'est. Franchement. Je crois qu'il a d'être ça, le chacal. Non, mais moi, je suis persuadé que c'est pour l'émission, il y a quelque chose. C'est impossible de faire ce qu'il a fait. Non, mais vraiment. Ou alors, c'est monté de telle manière à ce qu'ils l'ont fait passer pour un bol. C'est humainement. C'est impossible ce qu'il a fait, gros. Genre, vraiment. Jusqu'à la dernière minute, le mec, il a taxé le pourboire de la meuf, frère. C'est hyper grave! Coquine, va. Rien, y'a rien qui va, frère, y'a rien qui va! Pas de deuxième rendez-vous. Ça existe, moi ça me choque! En et je suis pas. Don Juan! Moi je pense vraiment qu'il croit qu'il y a de ça. Tu cherches l'amour ou pas? Oui? Ah ouais? Une pression, quoi! Hein? Il est trop deg! Le mec il regarde. Oh, tu cherches l'amour ou pas? Tu comprends ce que je dis? C'est. Tu cherches quoi? Elle dit oui! Ah ouais. Oh putain, regarde, il est deg, hein. Regarde, il vraiment est abattu, gros. Qu'un mec comme ça a dit je veux me poser. Non. On croit pas une seconde. Hein non. Ah oui. Check là, 5 ans tu soulèves le verre comme ça là. Ah viens on trinque. À quoi? À nous. D'accord. Je suis peut-être naïve. Après je sais pas, je pense pas qu'il m'a baratiné, mais oui, il est charmant. Vas-y, j'en peux plus, mais.
le charmant Word qui est sorti. Il est charmant, mais gros, mais c'est le plus gros charmant de la planète. Il a dit. Mais je crois pas qu'il va baratiner. Le gars, il est en train de soulever la table et pas avec ses mains. Donc il y a un moment, faut arrêter les conneries. Hein. Il est monté sur un piston. Oh, je n'en peux plus. T'es un sacré phénomène. Putain. Toi, tu es une. J'ai une sacrée fille aussi. Mais je vois que. Oh, le S-word. Toi, tu es une sacrée fille. Tu as un côté un peu, tu vois, féroce, mais tu es tendre en fait à l'intérieur. Oh. Je suis très tendre. Non, mais putain. Oh là là, mon vieil, mais là j'aimerais avoir Erwan là pour qu'il se batte quoi. Erwan, ça vient de chez toi là, non, quelque mais... chose, réagis. Toi, ça se voit, tu es une tigresse, mais. Non, mais lui, il est timide en fait, aussi quoi. Hein. Gros, mais vraiment, il est venu avec une identité. Lui, s'il baisse pas ce soir, il est abattu quoi. Ah, vraiment, il a faim, il a la dalle. Si on part pas ensemble, il va, première boîte, détruire quelqu'un. Je rigole pas, hein, vraiment. Lui, il est ah ouais, plus pour ça, putain, c'est cool ça. Oh, tu ouais. Passes crème, hein, en photo. Bon, ben, un bonbon. Oh putain, oh, tu passes crème, hein, le bonbon. Tiens, un bonbon. La vie de ma mère que tiens un bonbon. Regarde, oh, j'ai regardé, mais toi, tu passes crème, quoi. Enculé. Oh, mais, Xari, toi, t'es photogénique, non? Ah, oh, j'étais le bonbon. Oh, Xari, vous trouvez pas que c'est un bonbon, Xari? Putain. Morgan et Mehdi se sont revus plusieurs fois non. À Paris. Mais la suite oh, tu sais très bien la suite, c'est finito. Horrible horrible, c'était horrible. Le Marseillais, gros. Le Marseillais, cauchemar. En vrai, heureusement sur les quatre, il y avait deux couples qui étaient mignons. Et ok, quoi. Oui, vraiment, c'était quatre. Je hurle, je zinzine, vraiment, comme ça. Hein. Mais par contre, on n'a pas plus d'infos. Ouais, parce qu'en fait, je pense que ça a été fait très très vite. Enfin, le tournage, montage et tout, ça a été fait. Ouais, ça a été fait sur une journée, je pense. Du coup, ils ont... Ça allait très vite. Ouais, bah, de toute façon, ils arrivent, il fait jour, ils repartent, il fait nuit. Hein, donc le tournage est quand même catastrophique. Hein. Ne nous mentons pas. Ouais, je tiens mon micro comme ça. Ouais, tu es classe, hein, toi, quand tu tiens le micro. Tu connais, ouais, j'adore. Putain, mais tu es un bonbon, toi. Hein, ouais, putain. Tu es un bonbon. Ouais. Oh, Xari, mais toi, tu es photogénique, hein, truc de malade. Quoi. Putain, ça va. Ouais, non, mais je me teste un peu, je me rase. Allez, on a un petit confesse. Un petit confesse intime. Alors, t'en as deux, tu m'as dit? Quels sont les thèmes, les thèmes aussi appelés, parce que je parle espagnol. I'm just a lover. C'est pas le bon, que ça veut. Pause. La souris marche pas, c'est trop chiant. Xavier, tu manges quoi? Mais la souris ne marche pas. Il la met pas sur le tapis. Voilà. Attends, j'ai entendu Marie qui dit bah oui, alors que tout à l'heure elle est en mode. Marie, on n'a pas de conseils à recevoir, d'accord? Attention, hein. Attention, toi, on a vu un Mehdi, hein. Ah, il tu connais ça, la maison, c'est la guerre des fans? J'ai déjà vu. Ouais. Tu l'as déjà vu? J'ai déjà vu il y a longtemps, ouais. Voici maintenant une histoire. Oh, mon fils est un Tanguy, ça je pense pas l'avoir vu, mais ça a l'air d'être masterclass. Allez, vas-y. Oh, par contre, ça c'est le look, on est en les années 2000, quoi. Ça c'est le look classique années 2000. Le quelou? Seul l'avenir nous dira si Michael va tenir ses engagements. Ah non, non. Oh non, non, ça vaut pas l'avenir. Attends, mais ça se finit là-dessus? C'est déjà fini? Non, attends, tu déconnes? Vraiment, je crois. Arrête tes conneries. Ça se finit là-dessus. Arrête tes conneries. Non, mais je déconne. Non, mais attends, je vais voir un moment où il. Je vais voir avec. Voici. Ça se finit sur ça? Non, je te jure que non. Tu te. Arrête tes conneries, c'est tellement vrai, on va regarder. Non, ça se finit là-dessus. Mais gros, mais c'est une connerie ça. On va regarder la suite, hein. Est-ce qu'on a la suite? Mais surtout. C'est une honte. Bah là, on l'a pas, mais je vais demander pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais essayer de retrouver. Là, je check un petit peu. Ce serait énorme. Ouais, tellement vrai, je sais pas si on peut l'avoir. Bon, ce que je peux te proposer, c'est en genre. Vrai, j'ai trouvé le tellement vrai sur Dailymotion, mais bon, déjà, il dure très longtemps. Et ouais. J'ai pas vérifié encore. Je peux vérifier en deux spies si vous voulez. Non, non, mais on regardera la semaine pro, t'inquiète, on regardera la semaine pro, Marie. Te fais pas chier. Bon. Après ce finish là qui est assez catastrophique. C'est une catastrophe, je suis abattu. Enfin, je sais pas si je peux le faire. Attends. Tu vas le faire? Je sais pas si je peux le faire. Qu'est-ce que tu vas faire, Xavier? Dis-moi. Prends ça, boum, et boum. Tu sais quoi? Je pense que je vais devoir lâcher un épisode inédit, je pense. Non. Ouais, je vais le faire. Mais un du coup. Inédit de I'm Just a Lover? Ouais, je suis obligé. Oh là là, ce serait beau, gros. Ce serait. Inédit, mais ça fait très très mal parce que. Ah d'accord, parce que ouais, partager un truc avec moi. Non, c'est pas ça, c'est que chaque épisode vaut très très cher. Mais il y en a combien des épisodes? On sait pas en fait pour l'instant. Il y en a pas beaucoup, il y en a une. Quoi? Oui, c'est tout. Ah oui, ça vaut très cher. Ça vaut très très cher. Donc, ouais. Bah, par contre, je l'ai pas là, donc je vais juste. Bah, je fais le petit aller-retour, quoi. Profite, parle au chat. Profite juste pour parler aux gens directement, bah, bien sûr. Bah, moi, tu me connais, hein, tu me connais. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce reportage-là pendant que Xav est allé chercher évidemment un épisode inédit de Just the Lovers, donc petit secret entre amoureux. Je pense qu'on va se délecter, on va se régaler, on va se mettre ce qu'on mérite ce soir. C'est extraordinaire. Par contre,
Bon, on sait que confession intime, c'est un peu stage sur certains trucs. En tout cas, c'est un peu overreact sur certaines choses. Ils avaient été piégés par un certain Remy Gaillards à l'époque. Mais c'est catastrophique, quoi. Enfin, genre, le mec, il n'y a rien qui va, frère. Je suis dans une colère noire, déjà. Mais je peine à croire ce que je vois à chaque fois. Ça me met très mal. C'est triste. Bon, après, j'ai vu des gens qui disaient « Ouais, mais sa mère, elle peut pas le mettre dehors et tout. » Mais ce que je disais, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Parce que oui, elle peut pas le mettre dehors, mais c'est parce qu'elle ne le met pas dehors. En fait, si tu le mets pas face à ses responsabilités, le man ne fait jamais rien. Moi, je peux te dire, et crois-moi bien, que chez moi, je serais jamais resté jusqu'à 40 ans en train de me branler les couilles en mode « Je suis DJ. » Ah, mais non, non, non. Non. Ah bah, je serais très certainement mort avant mes parents. Et pas de vieillesse, donc il y aurait eu un peu quelques soucis. C'est une question d'éducation. Et ça se voit que. Merci hein, pour tous les gens qui me disent que je suis un bonbon. Bah, la vérité, c'est vrai que je suis un bonbon. Mais il y a un problème d'éducation à la base qui fait que sa mère, ça se voyait dès qu'il partait faire 80 km. Mais tu le prends chez toi, ton frère. Tu peux pas. Elle le couvre trop. Donc dans les deux cas, c'est terrible, quoi. C'est quoi I'm Just a Lover? Non, Max, tu connais pas I'm Just a Lover? C'est Petit Secret entre amoureux. Tu connais Petit Secret entre voisins? Le jour où tout a basculé, les scripted reality? Ben là, rien à voir. Du coup, c'est Petit Secret entre amoureux, c'est une histoire qui n'est même pas du tout inspirée de faits réels, où les gens ils deviennent amoureux à un moment. C'est une histoire qui est mise en scène et qui est généralement catastrophique niveau acting. Non, c'est catastrophique. Catastrophique niveau acting, plus totalement fake, plus il n'y a pas de confessionnal. Les gens, pendant qu'ils jouent, voilà. Donc oui, il s'arrête, il regarde la caméra, il se met à parler en mode « Ça, c'est moi, j'ai 22 ans et j'ai juste envie de le bouffer le chibre. » Et vraiment, il dit ça, quoi. Enfin, peut-être pas exactement la même chose, mais en tout cas, ouais, c'est... Mais, et du coup, comme disait Xari, c'est des plus belles inventions de l'homme. Là, je te fais une fleur parce que c'est vraiment... Il reste... Tu sais qu'il... Ah, c'est pour moi ? Bah ouais. Ah, c'est que pour moi, quoi. Bah, je te fais une fleur parce que j'aurais pu me le mater moi pour moi, tu vois. Ah, d'accord, tu fais une fleur à le stream plutôt. Il n'y en a plus que 4 inédits. Là, c'est l'un d'entre eux. Donc il te restera 3, quoi. Là, je te donne 25% de. De ton CA, quoi. Exactement. Merci, bon. Par contre, dimanche, j'ai regardé un épisode, je pense, le meilleur épisode de. Avec les babos. Avec du bon babos. Ah, le bon babos. Et ça, on se matera avec Genius, je pense. Oui, il faut que. Moi, je l'ai pas vu, hein, l'épisode, j'ai vu que l'extrait est babos. Oui, t'inquiète. Mais je me suis pas spoilé, quoi. Et quoi déjà ? Célibataire le plus longtemps possible ? Oh là 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 ! Oh mamacita ! C'est ton pote ? Oh la mamacita ! Non, juste, je m'attendais à. C'est pas un mec que tu connais quand même ? Non, 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 non. Okay. Mais tu connais ? J'attends de voir le générique de. Non, mais c'est pas ça, c'est le pote de Rizzo. En fait, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Ah oui, toi, c'est non négatif. Ah bah gros, genre, c'est dans l'échelle du BG, il est à moins 10, donc vraiment... Ah ouais ? Ah bah oui, vraiment. Mais moi, j'ai des styles de mec, ok ? Marie ? Mon style de mec, c'est Bradley Cooper. Bah, il en est très très loin, d'accord ? Et Marie, c'est la seule non, fille. Non, moi, je valide pas non plus, c'est pas mon genre non plus. Ah, merci Marie. Ah, ok, merci, Marie. Bon bah... Non, c'est pour savoir. On arrête l'épisode, c'est... alors, si personne aime l'amour. Putain. C'est goût et couleur, quoi. Bah non, mais non, pas évidemment. Ça fait 2 jours. C'est quoi ces bruits que tu fais? J'ai besoin qu'on me torture. Je vais passer le reste du mission comme ça. Monte dessus. Non. Putain, ils avaient plus que 2 minutes. C'est n'importe quoi, frère. C'est impossible ce qui se passe. Non, c'est insane, gros. Je suis tombé amoureux. I'm just a lover. Non, mais c'est surtout tout le monde gobe tout là. Marie est pas d'accord avec la fin. Ah, ma belle Eva! Par moi, je suis très déçu, je suis comme Marie, je suis très déçu de la fin. Ah, bah évidemment, il lui restait 3 minutes, t'as non, quoi. Mais ils ont enculé le truc. Le mec rentre. Il est. Amoché. Tu crois qu'il s'est battu et tout? Non, soi-disant, il est juste tombé. Bon, on va devoir croire ça. En fait, c'était son ex. C'est son ex qui se marie avec le mari qui est son ex à elle. Je sais pas pourquoi il est dans le gîte. Il tombe amoureux et il vient quand même voir le truc. C'est n'importe quoi. Pourquoi il est dans le gîte? Je ne sais pas, gros. On a aucune info sur ça. Le mec est déjà dans le gîte, il s'est invité. Et le tatouage, c'est pareil. Heureusement qu'on a quelqu'un. Bah ouais, mais on a aucune info sur le tatouage, ils en parlent même pas. Bah ouais, mais je pense. Bah ouais, mais c'est un scandale. Je pense qu'elle a raison, mais. Non, mais ça, c'est surtout que ça n'a pas de sens, frère, de montrer le tatouage. Fusil de Tchekhov raté là. On en a un autre ? On n'a pas un autre ? Celui qu'on devait faire la semaine dernière avec Jenny. Ah, tu l'as déjà vu du coup ? Non, mais frère, il est 23h aussi.
23h. Oh, j'ai même pas vu. Ouais. Ah, dommage. Et t'inquiète, on en... Un petit dernier, le chat ou pas? Non, non, mais le chat veut pas, hein, le chat veut pas, dommage. T'inquiète, putain. Dommage. Non, j'ai fait en vrai, j'ai trop la dalle, mais tranquille, on se regarde pour la semaine pro. La semaine pro, s'il y a Genius, on se remate le. À Genius, faudrait faire celui le Babos. Nous, on n'a pas fait la semaine dernière. Non, on se met le Babos. Le Babos, j'ai pas vu aussi, oui. Mais on peut en mettre deux, quoi. Ah bah. Ah oui, toi tu. Bah, c'est vrai que c'est la meilleure chose inventée par l'homme. Il y a un moment, faudrait peut-être qu'on le fasse, tu vois. il faut le faire. I'm just a love. Le chat qui est en mode non, on veut pas. Mais ta gueule, ça. Ça dégoûte. Le chat qui est en mode non, bah, la prochaine fois. Putain, dommage, gros. Ça casse les couilles, dommage. Non mais en vrai les gars, fichier. Parce qu'en fait les gens ont un travail et tout et... nous on est au boulot là. Ça coûte très très cher à la régie. Non mais oui c'est vrai, ça coûte très cher. Bah dommage, si vous voulez la semaine prochaine du coup. Si vous arrivez pas de dire non quoi. Quel enculé. T'as le chat, hein. N-O-N-N-O-N. N-O-N-N-O-N. Que du N-O-N quoi. Bah dommage, je pensais que vous étiez un peu plus impliqué sur l'émission du React. C'est du... Ah Marie, par contre elle a mis revenez la semaine prochaine, elle a envie de manger, hein. Je pense qu'elle en a marre. Oh bah ils sont mignons, ils ont bouffé toute la soirée et puis hop. Oui bon évidemment on va stopper là. En vrai il est 23h, mais la prochaine fois on... Si vous voulez, on se commence par ça. Mais gros, t'es mal sondage. Ils ont fait un sondage, nouveau épisode. Tout le monde dit mais non, ça me dégoûte. Non, mais le sondage ne servira à rien, les gars. Genre... Non, mais c'est vrai, il y a un sondage et les gens mettent non. Gros. Non mais... c'est serré par contre. Il hein. Y a que deux. Il y a non et non. Ah, c'est drôle ça. Non, mais semaine prochaine, on se regarde les babos. Semaine prochaine, on. Les babos. Avec les news. Et il faut qu'on constitue un petit peu le... toute l'émission autour du de la dinguerie, ouais, du babos et de tout ce qui s'ensuit quoi. Ça peut être énorme. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. S'il y a Genius, on se regardera les babos et les babos, ça me termine. L'expression est cauchemardesque. Allez, ciao et à demain pour le live. Salut.